It's the biggest revolution in motoring in more than a century. In the decades to come, electric cars will overtake their petrol-powered counterparts. Their batteries, however, have a fixed lifespan. What happens when they get to the end of the road? On commence à recevoir des véhicules électriques depuis 2 ans. Je dirige la société, qui est un centre de recyclage de véhicules hors d'usage, anciennement appelé casse automobile. Aujourd'hui, les véhicules électriques dans les casses automobiles représentent à peu près 1% du volume des véhicules qui arrivent. Donc c'est quelque chose d'assez récent et d'assez nouveau. On y prête une attention particulière puisqu'ils présentent des risques différents du véhicule thermique, notamment le risque humain et le risque d'incendie. Les batteries que vous voyez ici sont en attente de transfert vers l'usine de recyclage. Ce qui nous manque comme information, c'est de savoir si on les stocke de façon correcte et d'avoir un délai correct d'enlèvement de la batterie pour l'usine de recyclage. Donc en attente d'informations, on est un peu démunis, on isole les batteries et on les place sur des palettes en attente de la collecte par l'entreprise de recyclage. À l'heure actuelle, quand on a des batteries au plomb, on obtient l'enlèvement sous 24-48 heures. Pour le véhicule électrique, on attend 2 à 3 mois avant d'avoir un transport qui nous permet d'évacuer la batterie vers l'usine de recyclage. C'est un challenge pour l'avenir, donc nous on essaye d'anticiper et on sait forcément qu'on va avoir de plus en plus de véhicules électriques à traiter. Electric vehicles are here to stay. In just 10 years, the number of electric cars, buses and trucks has jumped from 100,000 to more than 10 million today, a figure expected to explode by the end of the decade. It of course means an equal number of electric batteries required to make them run. Lithium, cobalt, nickel, just some of the critical metals contained inside. Lithium ion batteries are particularly difficult and expensive to recycle. Today, only around 5% of them find a second life, adding a black mark to their environmental record. Europe says it needs to recycle more than 700,000 tonnes by 2035. That's compared to only 15,000 today, meaning a potentially bumpy road ahead. Dans la deuxième et troisième vie de la batterie, on ne va plus l'utiliser pour faire bouger une voiture, on va l'utiliser pour stocker de l'énergie. C'est un data center, une ferme de données, dans laquelle les entreprises stockent l'ensemble de leurs données informatiques. Les batteries que vous avez là, c'est des batteries de Nissan Leaf, qui a été la première voiture électrique lancée en 2010. Et cette batterie, aujourd'hui, va permettre de récupérer l'énergie créée, en l'occurrence, par les panneaux photovoltaïques qui sont sur le toit de ce data center et qui va alimenter directement, toute la journée, des armoires de stockage qui se trouvent dans les salles à côté. Avec ces systèmes-là, on est capable de capter les énergies renouvelables qui, par essence, sont intermittentes. Le vent, le solaire, le marais moteur. Et ces énergies, on est capable de les stocker dans ces batteries pour pouvoir les restituer au moment où le réseau en a besoin. Ici, on est vraiment dans le pilote. On est sur le tout premier site en Europe qui a été équipé en X-Storage. Et maintenant que ce premier site fonctionne, on a imaginé ça à beaucoup plus grande échelle. Il faut savoir aujourd'hui que le stade de football d'Amsterdam, par exemple, utilise cette technologie. On a équipé le stade avec 148 batteries de véhicules électriques de seconde vie. Ce qu'on a fait au stade d'Amsterdam, c'est multiplier les X-Storage pour pouvoir répondre à la demande électrique. Il y a de la valeur dans ces batteries. C'est ça qui est intéressant. Elles ont un intérêt écologiques, elles ont un intérêt économique et c'est la raison pour laquelle on fait du X-Storage. Eramet est une société française de mine et de métallurgie. Nous développons ici des nouveaux projets et notamment notre projet de recyclage des batteries de véhicules électriques. Une batterie de véhicule électrique, c'est un très grand pack d'environ 300 kg. Et dans ce pack, il y a des modules qui sont des plus petits packs. Et à l'intérieur de ces modules, vous avez des cellules qui sont des feuillets avec des anodes et des cathodes. Ces feuillets, ils contiennent un ensemble de métaux et de matériaux de valeur qu'on essaye de recycler. Le procédé, il commence donc par le broyage du module. Ce broyage, il nous permet de récupérer l'ensemble des constituants sous forme de copeaux de quelques centimètres. À la suite de cette étape, nous avons des étapes de séparation qui visent à enlever le cuivre, l'aluminium, les plastiques. Et on se retrouve avec une poudre noire qu'on appelle la black mass,
ce concentré, on le passe ensuite dans une étape différente qu'on appelle l'hydrométallurgie pour qu'à la fin du procédé, on puisse récupérer de manière individuelle des sels de nickel, des sels de cobalt, du carbonate de lithium notamment. L'approvisionnement des métaux pour les batteries de véhicules électriques est un enjeu majeur pour les années à venir. Soit on exploite des mines primaires qui sont principalement hors d'Europe, soit on arrive également à capter ces volumes et à exploiter cette mine urbaine. Aujourd'hui, on essaye de faire la preuve que cette activité est rentable en Europe. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à inclure à terme dans la fabrication de nouvelles batteries une part de matériaux recyclés qui, eux, ont une empreinte carbone plus favorable peut-être que des métaux qui auraient été produits à partir d'une mine primaire.